suis pas. Mais parle pour toi, ma grosse. C'est pas vrai, celle-là. Ça va bien? Ouais, non, c'est déjà assez. Bah là, tu vois, j'étais sûr de moi. Bah moi, je te dis que non. Demande à Anthony. C'est ton cerveau, non? T'es con. Bon, Anthony. Oui, chef? Faut que tu t'assoies à côté de moi. D'accord. Ah, bon, moi, là. Bonjour, mademoiselle. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, ma fille. La fin du premier chapitre arrive maintenant. Thermodynamique électrochimique, suivie par cinétique électrochimique. Et là, je ne vous cacherai pas que ça va devenir légèrement plus complexe. Bon, eh bien, compte tenu de ce que nous venons de voir, est-ce qu'il y aurait un étudiant dans cet amphithéâtre susceptible de répondre quant à la nature du processus limitant? Oui, Anthony? Il s'agit du processus de transfert de charge sur l'espèce protonée et sa libération en voie aqueuse. Il y a donc dans ces conditions un dégagement d'hydrogène moléculaire gazeux cathodique. C'est parfait, Anthony. Alors, dans un premier temps, nous parlerons de loi exomorphique. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre ce sujet à l'ordre du jour? Excusez-moi. André, s'il vous plaît. Oui, monsieur. L'ampoule du couloir du premier est encore en panne. Vous pouvez regarder? Ça marche, je vérifie. Merci, André. Salut André. Au fait, merci pour l'écran de l'amphi. Ça marche nickel. C'était rien, juste un relais qui avait sauté. On t'offre un café? Ah, ça sera avec plaisir, mais il faut que j'aille contrôler l'éclairage du B415. Quoi? C'est l'appellation technique de votre couloir. Un autre jour, le café. Je vous rappelle que l'exomorphisme, par nature, est le découplage d'oxydoréduction sur des zones et des zones complètement séparées, distinctes, pardon, sur lequel vous allez pouvoir... Cette fille, c'est une conne. Considérer la nature du matériau en présence. Petite Céline, tu sais, je ne sors pas avec des filles que pour leur intellect. C'est vrai? Oui, sinon je serais avec toi. Mon chou, je sais que tu rêves de moi, mais... Emmanuel, c'est une gourmande. Là, c'est toi qui es conne. Il est sympa ton iPod. Ah, il est tout neuf. Je l'ai piqué à mon père, mais il le sait pas. Et Romain, passe-le-moi. Rappelez-vous aussi que dans votre classe, thermodynamique électrochimique. Ah non, non. C'est pas Toulouse, ça, non? Ah, c'est pas tout, bah, je perce ce trou là. Bonjour. Bon. Vous pouvez pas lâcher un peu, non? Bande de petits cons. Ce qu'on peut faire, c'est un exposé sur la corrosion idiomorphique et exomorphique. Super, moi ça me tente. Le sujet, il est top. Okay. Bah, on a qu'à travailler ensemble alors, si vous voulez. Quoi? Tu fais quoi? Tu me donnes un service, hein? Ils sont pénibles. Qu'est-ce qui me gave? Venez. Oui, mec. Là, là, là. Ah ben voilà, c'est qui le meilleur? C'est toi. Mais ça t'aide pas à te faire respecter. Ça, c'est pas tes affaires. Un peu, quand même. Tu manges avec moi ce soir? Non, je dois y aller. Dommage. Pourtant, il y a une bonne ambiance. C'est cette bande d'abrutis qui a le... Ouais, le père André, il est vraiment trop cool.
Salut. Salut. Je sais pas comment elle fait pour accepter que son père se fasse autant emmerder. Ça doit pas être facile pour elle. Ouais, t'as peut-être raison. Mais elle est vraiment mignonne. Moi, je tenterais bien quelque chose, quand même. Eh ben, mec, vas-y. Tu veux que je te la présente? Oh, fais chier. Bien entendu, homo, vous avez tous appris le langage à un moment donné. Cela relève donc du langage verbal en termes de communication. On communique aussi à travers la voix, ce que l'on appellera en communication le langage paraverbal. Mais aussi, nous communiquons à travers le corps, ce que l'on appelle en communication le langage non-verbal. Monsieur Romain! Apportez-moi cet objet qui semble vous passionner plus que mon cours. J'attends. Vous passerez le récupérer à mon bureau, avec votre rapport d'analyse. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Pour la prochaine fois, vous regarderez le chapitre 4 sur la PNL. Tiens, merci. Putain, mais quelle sale conne! En attendant, je suis dans la merde. Mon père rentre demain, je fais pas de dessin s'il l'a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait aller voir la prof tout de suite. Tu déconnes? Elle se ferait un plaisir de le jeter. Chut. Faut vraiment que je le récupère. Y a peut-être une autre solution. Bah, dis toujours. On a qu'à aller le récupérer nous-mêmes. C'est ça, ouais. Ah ouais, et comment? T'es complètement barge. Non, non. Non, il a raison. On a qu'à rester ce soir et on le récupère. Qu'est-ce que tu dirais d'une nocturne, toi? T'entends. Donc c'est ok. Ça s'est éloigné pour pas qu'il nous tombe dessus. Ouais, bonne idée. Ouais.
Waouh. Bien joué. Tu pourrais être chef. Presque. Allez, servez-vous. Oh, c'est incroyable, t'as toujours des trucs à manger, toi. Mais plein de toi, t'en profites souvent, non? Oh, mon gros distributeur d'amour. Oh, t'en veux, hein, t'es mon chat. Bon, les gars, on attend un peu, on va chercher mon iPod. Hein. Oh, détends-toi. Tu m'avais parlé d'une nocturne, non? On a le temps. Fais chier. Allez, j'ai envie d'aller faire un tour. Eh ben, t'en as mis du temps. Il en reste un peu au moins ? Vous m'avez rien laissé. Dommage, t'as oublié de prendre à boire. J'ai soif, moi. Non. Allez, viens avec moi. Mais arrête. Mais je te dis, on va le retrouver. Viens. Allez. T'as fait chier. Allez, j'ai soif. On va boire un verre. Ouais, mais autre chose que du coca. Qui te parle de coca? J'ai soif. Eh ben, va chercher à boire. Je reviens tout de suite. Une de plus, faut pas perdre la main. Avec plaisir.
À la tienne. À la tienne. Le laboratoire. Ouais. Sympa. Super, hein. Ah, j'ai toujours rêvé d'être ici avec toi. Ah ouais? Excitant, non? Ouais, qu'est-ce que tu proposes? Alors pour commencer, je te propose un petit jeu. Il y en a qui s'éclatent. À mon avis, il te manque un petit filtre d'amour. Alors, pour commencer... Dites-moi. De la passion. Alexandra. Alex. Bébé. Je vais quand même aller voir. Fais comme tu veux. Tu préfères la distillation continue ou peut-être la distillation discontinue? Discontinue, mais avec toi. Dans ton espace protoné. Voilà. Tu vas où? Allez, viens. Tu vas où? Je croyais que t'étais chaude pour une nocturne. Ah. Allez, monte. Non, franchement, t'es relou, je vais m'acheter à manger. Oh, est-ce que tu peux être chiant? Anthony! Anto! Anthony! Oh, merde! Y a quelqu'un?
te rappelle que j'habite ici, chez mon père. On peut te demander ce que tu fais là ? Je cherche les autres. Ah, parce qu'en plus, il y a les autres. Ben, ouais. Céline ? Céline ? Putain, mais où est-ce qu'elle va passer ? Alex ! Alex, on va ! Romain ! Mais t'étais où ? J'étais avec Louise. Avec Louise ? Mais je te jure, on était ensemble. Comment ça ? Mais je te cherchais, je vous cherchais, je suis tombée sur elle dans la bibliothèque. Laisse tomber. Il faut qu'on se casse. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont morts. Ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu racontes ? Jean-David, Alex, il y avait du sang. Il y avait du sang partout. Partout. Ça va pas se finir comme ça. Putain, mais c'est quoi ce délire ? Putain, allez. T'as pas de merde. Cirque de merde. Putain, ça marche pas ! J'y crois pas. Allez ! Putain ! Tu veux jouer ? Tu veux jouer ? On va jouer. Louise ! Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? C'est gentil d'avoir amené les clés. C'est juste prêt. T'as fini tout ce que tu voulais faire ? À l'instant. Ça m'a creusé l'appétit. Bon appétit, papa.